Bonjour, c'est Lara, et bienvenue pour cette diffusion consacrée à Final Fantasy VIII, un JRPG sorti en 1999. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ma playlist FF8. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner avec la petite cloche pour les notifs. C'est parti! Allez, en voiture. On a déjà ramassé la magie là-bas. Donc déjà ça te fait. Va sortir là. En coup, on va mettre sur zèle là. Bon, après. Tourner à Star, hein. C'est bien là, ouais, c'est bon. Fallait voir l'autre dans son labo là, docteur Geyser. Hop. Qu'est-ce que ça peut être? Docteur Geyser est dans le labo. Ok, cool. De la magie là. Quake. Mettre son zèle. Voulez-vous voir le docteur? Oui. Docteur Geyser est de bonne humeur en ce moment. Ça faisait longtemps. Tant mieux pour lui. Double. Mettre sur Zelle aussi, et hop. Et... Fournaise. Là, je vais mettre sur Idea. Lunatique Pandora bouge. Qui pilote cet engin? Ça y est, Galbadia est en marche. Il faut donner l'alerte vite. Ah, ils nous attaqueront pas. Cette ville n'est pas leur cible. J'espère, je prie que vous ayez raison. Mais tire ce point. Nous nous retrouverons donc comme cet accident. Non, c'est pas excitant du tout. Dites-nous plutôt ce qui se passe avec Galbadia. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Lunatique Pandora. Cette espèce de gros frigo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu veux que je raconte
toute l'histoire. Tu es sympathique, toi. Je fais des recherches sur Pandora depuis qu'on l'on a rebégé. Nous la font retaper, abréger et expérimenter. On s'en fout de tout ça. Que foulez-vous? C'est quoi dire? On fait quoi? Mais c'est dans ça que je parle. Ils arrivent, on est pressé. On va s'occuper de tout. Dites-nous seulement ce qu'on doit faire. Et faites court, hein. Faites court. Une si belle histoire. C'est trop dommage. Mais c'est regrettable. Tu veux entrer pour l'arrêter? Alors regarde bien ça. Voici la région des stars. Les natifs Pandora se trouvent ici. Trajectoire prévue de l'Unatic Pandora passera au-dessus de la ville. Zoom carte. Il y a 3 métro-tubes, un circulaire et 2 intérieurs. Ils vont à la résidence. Ils vont tous à sa résidence. L'Unatic Pandora va à l'est du labo et se dirige vers le centre commercial. Temps estimé de la traversée de la ville, 20 minutes. Embarquement à bord de l'Unatic Pandora possible aux 3 points suivants. Premier point de contact était au centre-ville. L'Unatic Pandora sera là dans les 5 à 8 minutes après son entrée en ville. C'est-à-dire dans les minutes... Entre les minutes 15 et 12 du compte à rebours. Deuxième contact indéterminé, peut-être à l'intersection des deux métro-tubes. Contact à 10 à 15 minutes après l'entrée de l'Unatic Pandora, c'est-à-dire entre les minutes 5, 10 et 5 du compte à rebours. Troisième contact au nord du centre commercial, arrivé 17 minutes après son entrée en ville, c'est-à-dire entre les minutes 3 et 0 du compte à rebours. Pas de briefing. Voilà comment ça marche. Prends ceci pour examiner, utilise la touche carré. Le problème c'est que... Ça suffit, on doit bouger de là. Je dois foutir autre chose. Tu m'énerves avec ton accent, toi. Y a pas d'Allemagne dans ce jeu, pitié. Le coupable, ce n'est pas Kalbaya. D'accord? C'est l'ultimessia, c'est ça, ouais. Que foulez-vous? Seulement, non, rien. Le docteur ne dit jamais ce qu'on a besoin de savoir. Attends, tiens, ouais. Les données, les explications, point d'attaque 1. Ce sera au Zandreville entre 15 et 12 minutes. Point d'attaque 2. Ce sera à une intersection du Vlan 3. C'est tout ce que nous savons. Cherchez-la vous-même avec la chance, vous la trouverez. Contact entre 10 et 15, entre 10 et 5 minutes. Attaque 3. Entre le zone commerciale et la résidence présidentielle dans les 3 dernières minutes. Vas-y, lunette Pandora. Ah, maintenant tu peux savoir. Tu sais que des monstres tombent de la lune certaines années. Mais tu ne sais pas, Pandora influence ce phénomène. C'est ça le véritable problème à régler maintenant, et non Gabladia. Une fois Tierce Point et l'Unatic Pandora réunis, ce sera la catastrophe.
Ok. Allez, let's go. Je dirais que c'est ici. Allez, let's go. C'est où? Ça y est. Alors là, j'ai appuyé sur carré pour voir le plan du truc là. Allez, vieux tas de ferraille! Et il veut pas marcher, ok. Là, c'est pas là. Pas le temps. C'est tu, voilà. C'est pas là. Je dirais que c'est là. Bon, faut attendre le truc. Enfin, on dirait, hein. Ah, merde. Ah non, pas cette merde là. C'est le plus.
casse les couilles, machin, je fais perdre du temps. C'était là, ouf. J'y crois pas. Impressionnant. On doit faire quoi? Bah se battre déjà premièrement. On va voler tout ce que t'as. Tant que chacune m'en fasse effet. Hop. Ah, c'est mort. Merde. Ah putain! Je sais pas où c'est cette merde là. C'est au-dessus, j'en sais rien. Ah non, vas-y, j'ai pas le temps là. Là.
soit en haut, soit en bas. Non. Ah. Vas-y, je me casse. Pas le temps. Bon, c'était en bas. Ah putain. On fait pour descendre. Là. Pas non plus là. Casse les couilles. Par ici. Ok. Mais, ah putain, mais c'est pas possible, hein, c'est où? Ah non, tais-toi, tais-toi. Je me casse. Je suis là, c'est là. À ce coup-ci, on l'arrête pas. Hein. Il faut nous dépêcher. On n'y arrivera pas. Ah putain, mais vas-y, me saoule. Hein. Ah, puis enlever cette merde là. Yeah, okay.
Bon, comme. Ah putain, c'est cool. Ah c'est là. Ah c'est où? Putain. Ah ça a pas encore eu 3 minutes. Ah bon, soit ça dégage, je m'en vais. Où c'est? Oh, 3 minutes. Ah, c'était là. C'est notre dernière chance. Oh putain. Ça me gonfle, cette merde. C'est pas bon. C'est pas bon ce que je suis en train de faire là. Je vais prendre une GeForce moi. Allez, 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 bouge. Oh putain, pas crevé, hein. Hopé. Non. Merde, zéro. Fais chier. C'est sûr, on n'y arrivera pas. Merde. Non de non. Ça me tue de les laisser partir.
Faudrait mieux se replier. L'alarme sélénite. Marche arrière toute. Bon bah tant pis. On va essayer. Tant que la capsule approche, doit-on les récupérer? Évidemment! C'est le nouvel équipage? Je crois. J'espère qu'ils ne poseront pas de problème. Doit-on mettre nos troupes en état d'alerte? Je ne pense pas. Quel incompétent. Récupération des capsules activées. Service sécurité, alerte maximum. Mais j'avais dit le contraire, pourquoi on ne m'écoute jamais? Je vais jeter un coup d'œil à Adèle. Occupez-vous du reste. Pas de problème. C'est compris. Normalement, votre source d'inspiration, c'est Star Wars, pas 2 millions d'Odyssées de l'espace. Faites quoi? Fluidisation engagée, ça va peut-être vous piquer un peu. Opération terminée. Unité de rotation verrouillée. Gravité artificielle activée. Personne veut me parler? Toi, tu veux non plus? Si. Voici la lettre d'introduction de l'ambassadeur des stars. Eh, mais c'est inintéressante, mon dieu, elle est morte? Ne l'approchez pas! Je comprends. Amenons-la à l'infirmerie, on verra là-bas. Suivez-moi. Ouais, bah vas-y, rentre. Par là, s'il vous plaît. Mettez-la dans cette pièce et laissez-la se reposer. J'ai parlé à l'équipage, retournant à la salle de contrôle, ça va aller. Ok. Ne faites pas de mal, hein, compris? Ok, je ne fais rien, ta princesse, relax, mec. Bon, bah tant pis, j'ai échoué pour aller dans leur machin, l'Unatic Pandora, là, donc je vais quand même sauvegarder. Pas envie de recommencer. Allez hop. Ça m'a équipé. Ah, c'est pas grave ensuite.
Ah, c'est là. T'es tout là-bas, mec, attends. Marche pas trop vite, hein. Je connais pas, moi, cet endroit, hein. Ah, je sais pas où. En face? C'est rien, moi. J'ai pas vu partir. Wouah! Nous sommes vraiment proches de la lune ici. Bien, regardez plutôt cet écran. Cet écran là? C'est déjà arrivé, vous avez vu ce gigantesque cratère à 100 ans? C'est la conséquence d'une arme sélénite qui est tombée il y a 100 ans. Regardez la surface lunaire. Ok. C'est quoi cette horreur? Des démons? La lune est un sanctuaire des monstres? Vous n'avez pas appris ça à l'école? Ah non, nous, j'ai juste appris à utiliser une gunblade, c'est tout. En ce moment, tous ces êtres malfaisants se regroupent. L'histoire se répète, la larme céline va de nouveau couler. En se concentrant, les démons font former une larme et qui, lorsqu'elle se détache de la masse, entraînera tout le feu diabolique avec elle. Les monstres commencent à agir bizarrement lorsque les forces gravitationnelles sont perturbées. Je suppose que ce flux démoniaque réagit un peu comme l'océan en cours d'une marée. Vous avez vu Elon? Non. La chambre d'Elon est au premier, allez la voir quand vous voulez. Ok. Non, c'est bon, ça, tu me l'as déjà dit, machine. Ok. Elon, ma copine, tu es où? Oh, attends. C'est notre président lui-même qui se charge de l'inspection générale. Il y a 17 ans, Esther a été dirigée par Adèle. Aujourd'hui, cet hermaphrodite est enfermé dans notre prison cryogénique. Ce dispositif est passé entre la Terre et la Lune, loin de toute forme de vie. Le sanctuaire est composé d'un noyau unique et indestructible. Le pouvoir d'Adèle est hermétiquement confiné par des ondes radio si puissantes qu'elles perturbent tous les flux hertziens. Si notre brouillage télépathique était interrompu, Adèle serait capable de retrouver ses pouvoirs et de régner sur le monde comme il y a 17 ans. Regardez, le président lui-même va effectuer cette inspection. C'est lui qui a conçu le dispositif pour informer définitivement Adèle. Nous sommes chargés de surveiller le bon fonctionnement de son intervention. De son invention. Ok, cool. Tu connais Elon depuis tout petit, non? Voilà, de mon enfance une autre fois. Ah, voilà. Je suis contente de te revoir. Moi aussi, Elon. Désolé de t'avoir fait subir toutes ces épreuves physiques et morales. Ne t'inquiète pas, je comprends ce que tu as essayé de faire. On a pu t'aider? Oh oui. J'étais mes yeux, j'ai pu revoir le passé. Grâce à vous, j'ai compris à quel point j'étais aimé. Je n'ai pas pu modifier le passé, mais le revivre me suffit. Merci infiniment. Je suis venu te demander de l'aide. Es-tu capable de changer le passé? Non, je peux seulement le faire revivre dans ce moment. Cela permet de voir les choses différemment et de les comprendre. Autrement dit, c'est toi qui changes et pas le passé. Alors, on ne peut pas agir sur notre passé, mais je suis sûr qu'il y a un moyen. Envoie-moi dans le passé de Linoa, je veux revivre son histoire. Je veux comprendre ce qui lui est arrivé, je veux la prévenir. Tu refuses son destin et le tien aussi. C'est impossible, Squall, je ne connais pas Linoa. Je ne peux pas connecter à des gens du présent et le passé d'autres personnes que je connais bien. Linoa est avec moi, elle se repose dans l'infirmerie. Suis-moi, s'il te plaît.
la laisser seule ici, tout va très bien se passer, voyons. Oh, surprise, tout se passe horriblement mal. Que se passe-t-il? Alerte rouge, alerte rouge. Convocation, labo, infirmerie. L'infirmerie? Non. Je vais aller voir. Ça a l'air grave. Et là, on retourne dans ta chambre et attends là-bas. D'accord, sois prudent. T'es venu pour rien. Désolé. Ici, occupe-toi d'Hélène. D'accord. Bon, moi, je vais m'occuper de Lina. Aïe! Lina, qu'est-ce que t'as? Stop. Lina? Lina, n'avance plus. J'imagine que je vais avancer jusqu'à là-bas. C'est quoi, quelque chose ne va pas avec Nia? Non. Nia? C'est le dispositif d'activation du sanctuaire d'Adèle. Ouverture du sanctuaire niveau 1. Niveau 1 réactivé. Hé, stop! Je vais l'arrêter vite. C'est ce que j'essaie de faire, mais... Ah, putain. Regarde, la surface de la lune est en train de changer. Quoi encore? Elle est couverte de monstres. Ça commence. L'alarme, c'est limite. Faut absolument l'en empêcher. Pour libérer Adèle, il faut s'approcher du sanctuaire et activer le deuxième niveau de sécurité. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne reste plus qu'un niveau. Bah où est passé moi Lina? C'est cool celle-là. Ah. Elle est pas là en tout cas. Où est-ce qu'il faut aller après, putain? Gardez la lune.
Des monstres, des milliers de monstres. Ils se dirigent vers Tears Point. Ça signifie que l'Atlantique Pandora se trouve maintenant à Estar. Comment est-ce possible? Vous avez vu passer une jeune femme? Oui, elle se dirigeait vers le vestiaire. D'accord. C'est où le vestiaire? Il va pas aller dans l'espace, hein? Ah, c'est là. Viens! Il faut une combinaison spatiale. Elle est congelée à tout jamais. Non. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce faisceau monstrueux provient du sanctuaire d'Adèle. Les cimetières de monstres se déversent sur Restore. Pourquoi tu t'es traqué exactement au même moment? Ce n'est pas un hasard tout ça, quelqu'un planifie ce désastre. Merde, je suis où? Qui est responsable? Comment on a une seule machin? Je ne sais pas où je vais. Timbécia, la sorcière. Alors, je peux plus avancer, hein. Je sais pas si je suis au bout, impossible de sortir, je vais devoir faire marche arrière. Oh putain. Ça devient trop dangereux, nous devons quitter la base au plus vite. Ma journée est pote d'évacuation. Pensez pas à moi, partez! Nous devons y aller, monsieur! Ah! Vous, veuillez sur Elon. Ah! Linoa, non! Mon dieu, Alan Selenit va emporter Linoa. Bon sang, Adèle va pouvoir s'échapper.
Hello, it's me. J'étais obligé, Adèle, récemment. Voilà, tu l'as réveillé. GG Lino. Il nous fait Gravity là. Lino! Venez, nous devons évacuer immédiatement. On peut pas les ignorer, il faut faire quelque chose. Squall, pense à l'ignorer, moi je me débrouillerai. Elle a besoin de toi, elle t'appelle. Elon, mène-moi à l'Inoa. En suivant, vite. Je ne sais pas si c'est possible. Je n'en sais rien. Bon, d'accord. Dites-moi dans les commentaires si c'est possible de grimper dans Lunatic Pandora avant la fin du chrono, parce que fait plusieurs fois que j'essaye et puis à chaque fois je me fais avoir dans les dans le dernier combat là. La sauvegarde. C'est hors de question, je l'ai laissé prêt à mourir. Non! Elon, il faut faire quelque chose, je ne peux pas. C'est, ce serait terrible. Je ne sais pas. Ramène-moi vers l'Inoa, vers son passé. D'accord. Ça marcherait peut-être pas, mais essayons quand même. On doit y aller maintenant. Irwin retourne à la prison du désert. J'obéis aux ordres de ton père, on va à Dealing City. Aïe! Ça te va pas la tête? On va aider les autres. Ah, ils s'en sortiront seuls. Trouve-moi un moyen de s'évader. Comment peux-tu en être sûr? Squall n'obéit qu'aux ordres, alors que si personne lui ordonne, il restera. Je veux pas qu'il croupisse en prison pendant 50 ans. On doit les aider. Je dois employer la manière forte. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Ah, d'accord. Aïe, ouh, ça fait mal! Ok, on y retourne. La bague de Squall, je ne sais pas où il l'a achetée. Je voudrais la même, je la trouve superbe. Tu parles que celle qui a une espèce de monstre dessus, hein? Oui, celle-là. Ah, si tu veux, je peux te faire la même. J'aurais pu être faussaire, tu sais. Mais bon, une copie, quelle bonne idée.
Sauf qu'il faut que Swall me donne l'original comme modèle. Ah, mais c'est impossible. Ah bon, pourquoi? C'est trop gênant. Mais pourquoi? Ah, tu aimes... mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Ah, ça se voit à peine. Ah, je te jure. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, et rappelez-vous que la rage, c'est nous.